Yop les petits potes, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour la vidéo Brawl Stars de la journée les amis. Et aujourd'hui, créneau exceptionnel puisque bah, vous l'avez suivi, vous le savez sûrement, vous l'avez déjà vu si vous avez ouvert votre jeu aujourd'hui. Nani, le nouveau personnage, le nouveau brawler est disponible les amis, il est sorti, ça y est, il est sorti officiellement ce matin. Bah pour vous, mais moi là c'est maintenant en fait. Du coup bah j'ai hâte de lancer mon jeu, de regarder un petit peu si je l'ai dans la boutique, si j'ai de la chance. Sinon on va paquer, en espérant le choper, en espérant le up le maximum possible. Et le jouer parce que je vous avoue, des peu d'images que j'ai regardé, il m'a l'air vraiment intéressant à jouer, dur, mais vraiment stylé. On va pas perdre plus de temps, les pouces en l'air, les abonnements, les commentaires, on lance le jeu, petit bruit, gling, 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 transition Mustang. Alors, les amis, on peut voir du coup magasin. Il écrit gratuit. J'avais jamais vu d'ailleurs. Je pensais que c'était genre nouveau, tu sais. Là, il écrit gratuit. On va ouvrir tout ça. Attention, que la chance soit avec moi. Oh là, dans le magasin, les gars! Je le pack instantanément. Du coup, c'est un brawler de rareté épique. Je vous avais posé la question, mais il y a peu de personnes qui m'avaient répondu. Je savais pas il était de quelle rareté. Et apparemment épique, parce que j'ai que lui de pas dispo dans mes brawlers. Et je peux avoir un brawler épique pour 170. Ou pour 209, je peux avoir le brawler Nani. Donc c'est la même chose, mais 180 trucs en plus. Du coup, bah je vais prendre ça, les gars. Je suis un pigeon. On n'a pas Nani, nous. Oh là là! Oh, c'est beau, c'est joli. Hop, ça c'est un screen, ça direct, hop. Donc ça y est, on a Nani. Nani aime ses amis et les surveille de près. Elle tire... Ah bah c'est une fille encore, mais putain, mais what the fuck. Pourtant là, tu peux pas savoir si c'est une fille ou un mec, mais maintenant on le sait. Elle tire des orbes lumineux à des angles différents. Son super lui permet de commander son pote Bip, un petit drone qui explose joyeusement. Bah écoute, avec son petit œil, on dirait qu'il est trop content, tu sais. Oh là là, 180, pas de suspense, on a déjà le frérot. Mine de rien, déjà niveau 5, hein. Bah vous savez quoi, je vais le tester niveau 5 direct. On va regarder d'abord tout ce qu'on a débloqué. Ah, il n'y a plus le truc au-dessus là, tu sais, la prise de zone là, ils l'ont retiré. Le marathon star, on va voir un petit peu. Pour changer Razia Gem les amis. Ok, une map où je peux prendre peut-être Brock. Au niveau des quêtes, au niveau... Ah mais oui, c'est vrai, il y a une mise à jour en fait avec du coup le Nani. Il y a les quêtes quotidiennes qui sont à gauche, maintenant il me reste 12 minutes. Sinon ça c'est les quêtes de saison. Il y a des quêtes exclusivité pass brawl, ok je savais pas. Et les quêtes événements spéciales, très bien. Bah écoutez, on va faire du Razia Gem en vitesse. Il faut que je tue 12 ennemis, donc on va prendre le Nani. C'est mardi, on se lance direct, hein. J'ai trop envie de le jouer en fait. Alors là c'est de la totale découverte, hein, mais vraiment pure découverte. C'est vraiment le premier gameplay que je fais avec le Nani. What? What the fuck? Attends, mais c'est moi qui l'ai tué ou pas? Tu sais, avec le ricochet, j'ai l'impression que c'est le frère de ricochet en fait. Oh, c'est dur. Oh, c'est dur à viser, les gars. Hein. Oh, 2005, mon gars! Par contre, ça fait très mal quand tu vises. Il y a 2800 de vie, il n'y a pas beaucoup de vie. Hein. C'est un sniper en fait. Hein. C'est un sniper, mais. Qui est un peu spécial. Parce que les snipers, en général, tu gères pas la distance. Là, tu peux tirer autant de près que de loin. C'est très dur, hein. C'est très très dur à jouer. Si j'auto-attaque, ça fait quoi, attends? Si j'auto-attaque... Ok, ça l'a visé, là. Hein. Donc l'auto-attaque peut être efficace. Bon, bien évidemment, on est contre des débutants. Ah ouais, attendez, je vais utiliser son ulti. Bon, pour moi c'est de la grande découverte, mais vous l'avez déjà sûrement vu à travers des vidéos, mais... Wouah. Comment c'est dingue à jouer. Le perso est ultra satisfaisant à jouer, hein. Ouais, l'auto-attaque est pas très très précise quand même en soi, hein. Ok, wow. Au level il va être spécial, hein. On a tué combien de personnes là en fait? Ça m'a pas compté les quêtes? Ça m'a pas compté les quêtes, les gars. Ah, les nouveaux persos, ça compte pas les quêtes. Je vais pas pouvoir faire les quêtes du coup. Oh non, j'ai envie de jouer Nani moi. C'est nul. Par contre, il est vraiment ultra fragile. Hein. Bon bah, je termine celle-là, les gars, et on va faire les quêtes parce que là c'est. C'est important les quêtes quoi. Ouh, il est très 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 fragile. Hein. Mais vraiment, j'ai hâte de voir à haut niveau comment il va se démerder, hein.
Ah ouais, putain, faut vraiment gérer la distance, ça chamboule. C'est vraiment une nouvelle mécanique, hein. Est-ce que les tirs, ils passent à travers quand je touche quelqu'un? Par contre, tu peux faire du bon pré-shoot, hein. Par exemple, en siège, ça peut être efficace. Tu mets... Tu concentres ton attaque sur la vis, là. Comme ça, tu vises l'ennemi. Attention, j'envoie la tête, hein. Trop stylé, mon gars. Ah, mais peut-être que la quête, elle a pas été faite parce que tout à l'heure, j'ai tué personne. Je pense à ça. Bon, là, j'ai tué des gens, donc on verra. Oh, c'est tellement fort. Attention, j'envoie la tête. Allez, où? Je suis où, là? Je suis où, les gars? Je vous connais pas, là. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Oh, par contre, frère, il désintègre, hein, vraiment. Je suis pas joueur star. J'ai tellement l'impression que j'ai fait du kill. Si, si, ça compte. J'avais fait 0 kill, en fait, la partie d'avant. J'ai fait 5 kills, là, les gars. Bah, on va continuer, du coup. Oh, je suis trop content. Parce qu'il faut, qu'on apprenne à jouer avec, là. J'ai fait 0 kill la première partie. J'étais en mode, oh, ça marche pas. C'était le retour de Grinchevalouse. Vous le trouvez comment, pour le moment, le perso, les gars? Est-ce que vous l'avez déjà? Est-ce que vous l'avez débloqué? Et vous le trouvez comment? C'est cool qu'il... Bah, qu'il continue à trouver des gameplays un peu différents, quoi. Qui sortent de l'ordinaire, et du coup... Je le trouve ultra original comme perso. Oh, mais regardez, quand tu pré-shoot et que t'arrives à toucher, vraiment, désintégrer, c'est le mot. Aïe, aïe, aïe. Ouais, il est ultra fragile. Hein. Oh là là. Attention, j'envoie ma tête. Oh, ça casse les murs aussi. Oh, ça casse les murs, les gars. Oh, oh, oh. Ah, ça peut être un très très bon DPS, hein. Oh là 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 là, mais j'en reviens pas, frère. Et encore, il est même pas maxé. Oh, maxé, il va faire une dinguerie, ce perso. Ben, je vais essayer de bien le maîtriser, hein. Ah, honnêtement, là, de premier abord, quand j'avais testé Gaël, donc qui est le dernier perso qui était sorti, et celui-là, je le trouve beaucoup plus réussi, celui-là. Ils ont tout leur... Bah, c'est parce qu'en fait, Gaël, c'est un soutien, hein, du coup... Voilà, faut aimer jouer soutien, mais moi je suis un mec qui aime bien faire du dégât et... Bon, à défaut, j'aime bien rusher quand même, donc j'aime bien les tanks. Mais en vrai, il est satisfaisant parce qu'il fait du dégât, celui-là. Hein. Tu peux faire du kill facilement, en fait, tu vois. Par contre, être joueur star, apparemment, avec, c'est très dur. Hein. Ok, j'ai fait 4 kills. Bah, on va terminer la mission Razia Gem, les gars. C'est dommage qu'on puisse pas le jouer en Marathon Star. J'aurais maxé, j'aurais joué Marathon Star direct. Les gens, ils auraient des blocs. J'aurais fait l'américain. Eh, on est deux. On est deux, Nani. Oh, il va corps à corps, lui, carrément. Non, lui, c'est juste parce qu'il sait pas comment jouer. C'est pas la meilleure des stratégies, aller corps à corps, en vrai. Hein. Je t'ai vu, toi, là-bas, dans tes herbes. Oh, putain, c'est dur à contrôler, en vrai, de vrai. Hein. Ça part dans tous les sens. Hein. Tu tournes à peine... Oh là là! Mais les pauvres là qui tombent contre nous, les gars, je tombe contre deux nannies. Merde, je peux pas la lâcher la boule. Ah ouais, putain. Ah ouais, tu peux pas l'auto-détruire. Ces attaques se rechargent pas très très vite en vrai. Ah, si c'est lui qui finit joueur star, par contre, je vais câbler, les gars. Attention, j'envoie la tête. C'est lui qui a eu le kill, en plus j'en reviens pas. Oh là là! J'aime bien le petit bruit que ça fait. Regarder lui, il balade sa tête, il était perdu. Bon, après, moi qui aime bien faire du survivant solo. C'est lui, joueur star, c'est une blague! C'est une blague, c'est une blague! Frère, j'ai fait du kill là pourtant, je comprends pas. Gros, qu'est-ce qu'il faut en fait? Voilà, j'ai terminé la mission, les gars. Donc ça, c'est fait. Causer 90 000 points de dégâts en survivant solo. Frère, je disais, ouais, je sais pas s'il va être utile en survivant solo. On va tester en fait. Ouh, y a de la boîte, mon gars. Ah, par contre, il doit désintégrer, mais rapidement les boîtes, lui, hein. Ah ouais, j'y avais pas pensé. Oh merde! Ça commence bien, si. C'est vrai que j'ai encore oublié ces conneries là. Wow.
Ah, il peut faire très mal par contre, hein, vraiment. Il y a lui par exemple qui bouge pas. Merde, il va pas le viser. Ah ouais, je suis fragile aussi. Qui veut lui? Mais pourquoi je le vise que 1008 là, je comprends pas. J'envoie la tête! Oh oh! Oh là 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 là, c'est une dinguerie ce perso, vraiment les gars, c'est une dinguerie. Oh oh. Par contre, mon outil, je sais pas comment l'utiliser là parce que je vais être hyper vulnérable. Ah. Ok. Il a un peu peur de moi quand même, hein. On voit qu'il me connaît pas. Ah oh, j'étais trop fragile. Ah ouais, c'est vrai qu'il recharge pas si vite. C'est pas grave. Top 2 pour une première, les gars. J'apprends le gameplay, hein. Mais bien manié, ça doit être quelque chose, les gars. On a fait 23 000 de dégâts. Ah, et ça fait du dégât quand même, hein. Je vais essayer de choper les boîtes au plus vite, comme ça au moins... J'ai de la vie, quoi. Parce que là, 2008, j'avoue... Il me fait délirer le bruit. Merde, j'arrive pas à viser, frère. Toujours sans auto-attaque, c'est dur, hein. Ouais, c'est quand même chaud parce que t'oses pas te mettre en... Aïe, je suis dans la merde, là. T'oses pas te mettre en difficulté parce que vu qu'il y a pas beaucoup de vie, tu te fais vite rattraper, en fait, hein. Oh ouais, faut être ultra précis quand même, hein. Oh. Oh, elle est belle. Oh, elle est belle. Ah, elle est belle, les gars. Vous pouvez pas me le retirer, ça, elle est belle. Je viens de mettre un truc, frère. Oh, merde. Bon, le dernier il joue avec moi ou quoi là? Ah, il est là. Ah. Oh! Je vais économiser mes 3 tirs parce que au corps à corps, en vrai, les 3 d'affilée ça peut faire très mal. Qu'est-ce qu'il fait lui? Oh, tu peux diriger du coup ton ulti? Bah voilà les gars! Bah voilà! Bon, il savait pas quoi faire, hein. Le type il venait de débloquer Rosa, il savait pas comment la jouer, hein. 29 000 de dégâts, les gars. Ah, c'est lourd, hein, c'est lourd, franchement c'est lourd. Est-ce que je débloquerai pas une petite. Attends, il me reste. Ah, il me reste 11 secondes! Ah, j'ai pas le temps du coup. Il me reste 11 secondes, les gars. Je sais pas si ça avait pris en compte. Mais du coup, ça veut dire que là, je dois faire combien de dégâts? Là, ils vont faire du dégât du coup, là. Ah merde, j'ai pas réussi la mission. Fais chier. Ok, je rencontre un ami. Il y a que ça, wesh! Je suis mort! Il y a que les nouveaux persos là, je suis plié! Aïe. Oh! Bon. Je me suis fait éclater, hein, les gars. Wally, c'est fort. Hein. Ok, j'ai fait 1000 de dégâts. On est très loin des 90 000. Putain, c'est dommage. J'étais à 54 000. Ah non, c'est passé aux quêtes de demain. Aïe, aïe, aïe. Terrible. Terrible. J'ai pas pu la finir, les gars. Ouais, mais attends, mais j'ai beaucoup de quêtes, j'ai l'impression, là. C'est même. C'est quoi, ça, là, les 250? Ça se débloque quand, ça? C'est quand j'en finis une, ça débloque direct, instantanément? Nouvelle quête de saison, 3 jours, 23 heures. Oh, c'est stylé, du coup. Ah, et du coup, dans 3 jours, 23 heures, ça réinitialise toutes ces quêtes-là? Question, les gars. Hein. Mes petites boîtes, elles sont encore là, mes boîtes collector. On va ouvrir un petit peu tout ça, les gars, parce que voilà, il nous faut des points de pouvoir. Petit pack opening improvisé.
On va le voir, je pourrais le monter combien avec tout ça. Méga boîte, ça débloque combien de points de pouvoir la méga boîte? 161, ah ouais. Encore une méga boîte. 104 celle-là, oh. Elle était moins gourmande. Peut-être que je suis à fond en fait. Je suis pouvoir 8 et il m'en faut 550 du coup maintenant. Oh là là, 196, ça met bien ça. Et c'est bon, j'ai tout, du coup, là, j'ai tout débloqué. Je suis à 435 sur 550. Bon, les gars, quitte à le faire à fond, autant le faire à fond, hein. Hop, 115, il manque quoi, du coup? Hop, j'en reprends une. Allez, hop. Mais c'est parfait, on a le gadget! Nani fait exploser Bip et se téléporte là où il se trouvait en dernier. J'appuie sur le gadget quand je contrôle la tête et je prends la place de la tête, donc ça veut dire que je peux fuir avec. Ah, ça peut être stylé ça, hein. Genre en survivant justement pour contourner le gaz et aller en bas. Ah ouais, non, ça peut être stylé, hein. Ah, bah en fait, j'avais déjà tout, j'ai acheté une mégabot dans le vent en fait. Bon, pour le gadget. Bah, il nous manque plus que son pouvoir star du coup, les gars. Oh là là, son pouvoir star qui est Bip inflige jusqu'à 2500 points de dégâts supplémentaires en fonction de sa distance de déplacement. Donc en gros, plus tu vas chercher loin quelqu'un avec ton ulti, genre quelqu'un qui fuit et qui se barre et tu le chopes avec ta petite tête, plus tu lui fais de dégâts. Ok. Bon, bah on va le rejouer direct, hein, les gars. Là, on va voir un petit peu la différence. Survivant solo, hein, on perd pas de temps. Ah, survivant duo. Je peux faire des points de dégâts en survivant duo. Allez, on va jouer en survivant duo. C'est parti! Le mec, il va se dire, oh non, je suis tombé avec un mec qui a Nani. Là, il va voir, je suis pouvoir 9, il va pas être prêt, gros. Tiens, c'est la Rosa de tout à l'heure. Wouah! Il fait 3000 de dégâts, frère! Par contre, gros, t'es un peu trop avancé en fait. Bah ouais, j'ai perdu de vue en fait, mon pote. Moi, je peux pas trop avancer, j'ai pas énormément de vie. Oh, il a fait un kill! Bon, mon pote est mort. Lui, apparemment, il a pas l'air de. il veut pas la gemme, il veut me la donner. Ah mais c'est vrai, c'est une partie bas level. J'étais en mode, mais qu'est-ce qu'ils foutent les gens? C'est trop marrant comment ils jouent. D'ailleurs, est-ce qu'il y en a, je crois que j'ai déjà posé la question, mais est-ce qu'il y en a qui découvrent encore Brawl Stars là, à l'heure actuelle, du coup qui s'y mettent et qui ont même pas 1000 trophées? Ça m'intéresse, et qui me regardent du coup, et... Frérot, je viens t'aider. Oh là 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 là. Oh là 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 là, mais c'est une dinguerie ce perso, il est trop bien. Il est trop bien, les gars. C'est une dinguerie. On a fait 19 000 de dégâts, top 1. Je continue. Frérot, si t'as envie de suivre avec ta Rosa, tu me suis. Il a pas envie. Je l'ai pas convaincu, apparemment. Pourtant, j'ai tout donné, hein. Le mec, il est mort et tout, je lui offrais un top 1, il veut pas. Non, non. Allez, gameplay 100% Nani aujourd'hui, hein. Normal, hein, c'est le jour, les gars, jour de découverte. Bon, je pense que malheureusement, sur YouTube, tous vos youtubeurs préférés, bah, ils auront fait du gameplay Nani, mais bon, c'est pas grave. Hein. Oh là là là, j'ai mis un coup de presse lui, hein. Viens là. Oh là 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 là, je l'ai. Mec, j'ai applaudi sa tête, j'ai fait ça. J'ai fait ça, frère. Ah merde, putain, c'est vrai. Ça, c'est la classique, hein. J'oublie toujours de me mettre en 4G. On a déjà 6. Le Jackie là, putain, je suis avec un Jackie, j'avais pas vu. Enfin, une Jackie. Toi-même, tu sais. Viens là, toi. Moi, je suis parti en survivant solo en fait là. Bon, je vais rejoindre mon pote quand même. Il aura peut-être besoin de moi. Ah. Ma réflexion était un peu trop tardive. Oh oh. Tu peux la casser ou pas? Hein? Oh, tu peux l'esquive comme ça, c'est trop stylé. J'ai fait une de ces esquives, vous avez vu? Oh, c'est un combat Nani vs Nani là. Oh! C'est bon ça! Mais en vrai, au corps à corps, il est trop fort du coup, hein! À courte distance! Eh frère, j'ai repris l'avantage là! Oh là là! Par contre, lui va peut-être all-in. Oh oh!
Mais c'est une dinguerie, les gars, ce perso, c'est une dinguerie. Il est incroyable, ce perso. Il est incroyable. Par contre, frère, je vais pas trop faire le fou. Ah ouais, par contre, ouais, j'avoue. Je vais essayer de me soigner pour rassurer. Ok, il est mort. Mais what? J'ai 21 avec les gars. Allez hop, toi t'es mort. J'envoie la tête. Ah merde. Mais des fois la tête quand tu perds le contrôle, tu sais plus où aller, hein. Mais j'ai fait un truc de ouf. J'ai fait un truc de ouf, les gars. C'était incroyable. 26 000 dégâts. La doublette que j'ai fait avec la tête. Mais ce perso, il est trop bien. Il donne trop des bonnes sensations. Je vais arriver en marathon star aujourd'hui, gros. Je vais bégayer tellement. Parce qu'en fait, en gros, il y a tellement un gameplay particulier que ça ressemble à aucun autre gameplay. Hein. Donc ça veut dire que si tu t'habitues vraiment à jouer que Nani et pas que Nenny. Une note sur 10 sur mon jeu de mots là. Je suis sûr que je suis le premier youtubeur à le faire, le jeu de mots. Viens là, toi. Ah putain, mais j'oublie encore, wesh. Bah ouais, gros, faut avoir peur de moi en fait, hein. Les gens, ils savent pas encore de quoi il est capable. Ils se disent, ouais, y'a pas beaucoup de vie. Regarde, pareil, hop. Il se dit, je préfère me diriger vers Nani. Mais non, mon frère. Oh là là, viens là, toi. Ah ouais, tu peux même, du coup, te dire, je vais faire passer deux attaques. Ah ouais, non, mais frère. La doublette! Ah merde. J'ai mis un but. Oh là là là, facile, facile, facile. Facile, on va le monter facilement, lui, hein. C'est trop bien. 15 000 de dégâts sur 180 000, on continue. Gameplay 100% Nani. Ça sera pas 100% parce qu'il y aura le marathon star qui va suivre, mais... Tu m'as compris, quoi. Ah, on n'a pas de boîte, là, par contre. Frère, je vais kill direct. Oh. Oh, je vais me prendre la karma. Oh. C'est qui le meilleur Nani, en fait, ici? C'est qui? Le blaze du perso en plus Nani, je trouve que c'est trop marrant. Trop convivial comme blaze. Nani. Nani. Viens, j'ai un TD, gros. Il doit se dire, what, c'est quoi ces dégâts que j'ai mangés? Il a dû prendre un coup de pression, frère. Oh oh. J'aurais pu peut-être m'enfuir avec la tête, là. J'avoue, le gadget, c'est pas évident à utiliser. Je l'ai dépop, lui. C'est trop satisfaisant, wesh. Viens là, toi. Oh. Oh, merde. Il fallait que je me le prenne un moment, le karma. Bien joué, ça, mon petit Jackie. Ça, c'est bon, ça. Jackie va me cover, là. Meurs pas, meurs pas, meurs pas, frérot. Allez, on enchaîne nos top 1, là. Ça, c'est mon gars sûr, là. EZ de Fernando. En plus, il est dans une team et tout. EZ, la team EZ, hein. Par contre, lui, je me fais one-shot, hein, si je me prends sa décharge. Il faudrait qu'on l'ait. Ah... C'est bon, ça. Ah, il fallait que je tente de choper pour au moins le... C'est bon, ça, pour le Jackie. Allez, mon petit Jackie. Bon, un Jackie contre un Gaël, normalement, tu gagnes, frère. Hein. Allez, mon gars. Concentre-toi. Au pire, j'arrive. Parce que je vois que t'as du mal. Je vais te donner un petit coup de main. Hop. Ah ouais, frère. Allez, allez, tu vois, tu fonces, tu fonces. Tu tapes, encore une, encore une. Mais qu'est-ce que je fais, wesh? Mais pourquoi
pourquoi t'es ulti? Pourquoi t'es ulti? Ça fait pas de dégâts ton ulti. Il découvre son Jackie. On va pas lui en vouloir pour ça. 16 000 de dégâts. Moi je suis mort beaucoup de fois hein, dans cette partie, du coup en soi. C'est moi le fautif, hein, c'est pas lui. Hein. Allez, je continue avec lui, c'est mon pote. Il est en apprentissage comme moi. Allez, c'est parti. Regardez, il y a ma petite tête qui se balade là autour de mon perso. Je suis mort de rire. Et du coup, ça, c'est un perso de la famille de Ricochet, hein, je suppose. Vas-y, viens. On va faire du kill, nous. Ah, mais lui, à haut niveau, dans les survivants solo, il va piquer, hein. Tu vas avoir peur de t'approcher de lui, hein. Parce que s'il te touche, c'est la débandade, hein. Qu'est-ce que tu fais, gros? Tu rushes trop, là. Donc, tu veux, c'est pas grave. Au moins, il tue pas mon pote. Tu veux quoi? Tu veux mettre la valise? C'est nous qui allons mettre la valise, là. Et hop, tu meurs. Ok, lui, il a cru que ses tirs passaient à travers. Mais attends, mais what the fuck? Il a utilisé ses trois... What the fuck? Vas-y, je t'envoie un copain. Ouah, c'est dur à contrôler! Ah ouais, c'est de plus en plus dur, en fait. Plus tu t'éloignes, plus c'est dur, j'ai l'impression. Il a tué les deux? Non. Je me balade avec mon shoot d'armée, gros. Oh, la chance. Fais gaffe, gros, fais gaffe. Ok. Il y a deux nanis dans la même team, là, what the fuck. Bah tiens, c'est la première fois que je vois ça. Il y a deux nanis dans la même team. Tellement de gens qui ont dû l'avoir dans le shop, et du coup, bah... 20 000 dégâts. Ça tombe là, vous aussi, vous avez débloqué Nani, vous êtes en train de le jouer en même temps que moi, vous le découvrez en même temps que moi, vous choquez en même temps que moi, parce que il est plutôt choquant comme perso, hein. C'est hyper ballsy d'avoir pris une décision comme ça, et franchement, je trouve ça stylé, parce que... Soit... Ok, il est quand même fumé niveau des dégâts, mais... Il est dur à jouer. Il est dur à jouer, du coup, je trouve pas ça ultra broken. J'ai une tara derrière moi, ça fait peur, ça. Parce qu'il reste quand même ultra fragile en soi. Hein. Oh là là. Oh là là. Par contre, un Jackie, ça se régale là parce que, frère, au corps à corps, il est tout shoot, hein, les nanis. Du coup, c'était le bon choix. Hein. Sachant qu'il y a beaucoup de nanis là, vu que tout le monde le débloque. Ah. Frère, tu t'es mis dans la merde. Pas se le cacher. Personne qui veut mourir là en fait. On va se focus sur une team parce que là à un moment. Aïe. Faut que je me soigne gros. Ça serait con de perdre les 7 élixirs. Oh la chatte qu'il a eu. Ouais, normalement la victoire est à nous là. Hein. Oh mais quand il y en a un qui meurt, il y en a un qui spawn là, c'est quoi ce délire? Ok bah toi t'es dans la merde. Toi frérot t'es dans la D hein. On se le dise. Oh. Yepa! Bon encore je le répète, hein, c'est facile de faire du top 1 vu que c'est le début. On est déjà à 100 les gars. Allez hop, 100 000 dégâts aussi sur 180 000, on continue. Oh, on perd le Jackie qui est en mode... Ouais frère, ça fait longtemps qu'on joue quand même. Je vais faire un autre mode où je vais utiliser un autre perso parce que là j'en ai marre. Bah moi frérot, j'en ai pas marre. Je suis trop content là, vraiment je suis trop content. Allez hop, oh, avec un corbac. On est tous les deux fragiles donc c'est pas rassurant mais... Ça peut être intéressant. Il peut les finir avec son ulti. Si moi j'en touche un une fois. Là par exemple, on n'ose pas trop aller à prendre les joyaux parce qu'on est fragile. Et que j'ai quand même 5000 de vie là. Hein.
Le frère, lui, il veut quoi, lui, en fait? Lui, je vais le choper, gros. Je le chope. Allez, hop. Ça, c'est à moi, frère. Je suis en survivant solo, moi, en fait. S'il veut, lui. Il y a son pote qui arrive, on fait gaffe en plus un Jackie. Ouchi. Qu'est-ce qu'il veut le Franck? Oh, j'arrive plus à viser là. Oh mais attends, mais... Mais attends, mais c'est... Ah ouais, mais du coup, t'es immobile, j'avoue. J'avoue, t'es complètement immobile, du coup. Ah, c'est dangereux, hein. Oh là là, je me balade avec ma petite tête. Top 1 encore une fois, les gars. Est-ce que je me suis fait un nouvel ami, attention? Non. Lui-même pas, lui. On est avec une PAM. Une PAM, ça peut être intéressant, un peu me soin. Salut. Pendant qu'il leur met un coup de pression, moi je... Vas-y, viens, on va chercher tout en bas là, soigne-toi. Arrête de absolument vouloir fight. Oh, j'ai même pas réussi à le viser, sérieux. Bah tu vois, c'est ça que je disais tout à l'heure, hein. Il est pas si fumé que ça, parce que si tu sais pas jouer avec... Toujours pas utiliser mon gadget, hein. Mais là, par exemple, pour aller en haut, j'avoue, discrètement... Et attends, mais lui, il se bat contre la même team depuis le début, c'est le mortier, c'est tout? Non. Si, c'est lui. Mais si, c'est eux. Je suis mort. Ils ont fait top 2, les gars, alors que... Ils ont fait que fuir. Allez, hop. Moi, je me suis occupé du reste de la map pendant que lui, il était en train de tempo les deux autres. Allez, on est à 148 000 sur 180 000, les gars. Bientôt terminé, et puis après, Marathon Star. En soi, là, je vais aborder le Marathon Star avec full confiance, hein, parce que... Bah, forcément, il y a tout qui marche, là. Les gars, vous imaginez même pas l'avantage que j'ai, hein. Je suis pouvoir 9 et bas level, du coup, C'est limite pas équilibré, hein, mais... Autant que j'en profite et que je m'amuse, hein. C'est amusant, quand même, des fois, de mettre des petites raclées gratuites. En fait, faut pas rester sur la même ligne, hein, quand t'affrontes un... On s'est rendu coup pour coup. Ah, lui, j'ai envie de l'avoir, hein. Lui, c'est mon objectif, c'est lui là-haut, là. Le max, il fait chier, mais... Oh! Alors... Mon but là, mais tout s'est passé trop vite dans ma tête. C'était de tuer le max, de sortir ma tête et de gadget plus loin. Rien ne s'est passé comme prévu. C'est dur à mettre en place, les gars. Y a un fossé entre ce qui se passe dans ma tête et ce que je fais. Mais bon, le principal c'est que je commence déjà à penser comme ça, tu vois. Ça veut dire que ça laisse place à des beaux moves, hein. Ça demande juste un petit peu d'entraînement, en fait. Frérot, moi je chope tout ça là. Hop, lui je mets un coup de pression. Hop, lui aussi. Putain, l'enfoiré, il en a chopé un. Frère, là tu m'as cherché par contre, hein.
Oh là là, c'est beau, c'est beau. Quand tu maîtrises la tête, c'est beau. Oh, lui, c'est fait. Lui, c'est... Mais c'est fait tarter, les gars. Ok, il y a lui et son pote, il va respawn, c'est ça? C'est le bull, son pote. Ah oui, ils sont là. Salut, les gars. Salut. Regarde. Je comprends pas, des fois, elle tombe toute seule, la tête. Facile, facile, facile. Je suis avec un bon gars, là. Sylvana, c'est un bon type, hein. 180 000 dégâts, les gars, c'est fait. C'est fait, c'est fait, c'est fait. On aura fait une bonne session. Parce que ça veut dire qu'on aura fait Razia Gem. C'était quoi? C'était 12 kills. Plus 180 000 dégâts. On l'aura bien testé, le Nani, quand même. Hein. 131 trophées. Je pense que ce week-end, je vais le squat. Donc peut-être que j'aurai plus de trophées. Ça tombe, ce week-end, il y aura une vidéo, les gars. Attendez-vous à ça. Hein. Il y aura peut-être une vidéo improviste qui va sortir à n'importe quelle heure. Parce que ben, je vais game et je vais me dire, bah vas-y, bah, je record. Comme ça, au moins, on va échanger ensemble. Si demain, je me réveille dans la boutique à Pouvoir Star, vas-y, je fais une session, tu vois. S'il y a pas, on verra. Bah c'est le moment et je pense que vu que je me suis quand même entraîné à sniper un petit peu, je vais continuer dans cette optique, je vais snipe. Avec la petite Polly, on l'a joué hier, on a fait 0 victoire avec, hein. Il faut qu'on fasse 6 victoires, on en a fait 0 hier. D'ailleurs, le arcade, vous voyez, je suis à 39 sur 40. Je l'ai joué hier et j'ai fait des dingueries, vraiment. Le arcade, en fait, il est trop fort, hein. C'est un perso que j'utilisais quasi jamais, mais il est trop fort. Ce perso, il est trop fort, il fait trop de dégâts. Je l'ai joué hier en survivant et... c'était n'importe quoi. C'était n'importe quoi et je me suis dit, vas-y, je vais le laisser à 39, comme ça je le passe avec vous. Je verrai. Si je gère pas Poli, je peux prendre Arcade à la limite et faire au moins un kill pour terminer la quête et se rassurer si on n'a pas de full victoire en Marathon Star. Je sens moyen, hein. Honnêtement, là, Marathon Star, Razia Gem comme ça, mais on verra. On verra parce que c'est vrai que Razia Gem, c'est un peu 50-50, tu vois. Il peut y avoir des hold-up et tout, mais on verra avec quel team je tombe. C'est parti, Marathon Star, première partie, let's go. Allez, let's go. Vous avez vu lui dans mon dos. C'est un cactus, c'est ça? Non, c'est une étape. Ok. Je vais devoir sortir mon meilleur sniper. Hein. Mais pourquoi j'ai pas pris des 3 gemmes, moi? Je suis con, quoi. Ok. Là pour le moment on peut dire que je fais le taf en vrai. Ah je suis mort, c'est pas grave. C'est pour la bonne cause on va dire. Ok. Ok. Attends mais d'avoir joué un sniper, je suis chaud ou quoi là? S'il vous plaît, pas d'hold up, pas d'hold up, on n'a pas le droit de prendre un hold up là. Attends, je suis où là? Bon là j'étais obligé de foncer dans le tas les gars, il fallait qu'on mette la pression. C'est pas grave, on en a récupéré 9, c'est cool ça. Il faut que la Jessie elle reste à distance, là j'ai mon ulti. Là, par contre la Jessie t'es en galère ou quoi, Serette? Ah, j'ai trop bien commencé la partie mais là ça y est, je suis un petit peu... Non, non, va pas par là. Ok, nice. Au moins là c'est moi qui ai la responsabilité. Je préfère avoir la responsabilité parce que au moins si je me foire c'est de ma faute. Par contre les gars là votre objectif voilà, c'est d'en choper un. Aïe aïe aïe. Et... ils ont 9 aussi, ça fait chier là par contre. Bah ouais, ils arrêtent pas de mourir en boucle aussi là. Ah, fais chier par contre. Non. Je... 17 lui frère, vas-y, ça me saoule. C'est pour ça que j'aime pas le Razia Gem les gars. C'est pour ça. Bah c'est pas hold up, ça fait 17, ils ont 17, mais mon équipe était pas là, wesh. Mon équipe était pas là, j'étais tout seul à jouer. Je peux pas être déçu, j'ai fait quand même un bon début de partie, mais vas-y. J'ai pas été bon sur la durée. Fais chier, putain. Bon après, ça reste quand même un bon choix, je pense, Poli. Et juste, il lui manque un peu de vie, en vrai. Mais heureusement, parce que sinon, il serait trop pété. Hein. Allez, je vais me reconcentrer.
Ah, j'arrive à viser personne là. Après, regarde comment il est gros et j'arrive pas à le viser. C'est vrai que dans les buissons, je fais plus de dégâts, il me semble, non? C'est pas un délire comme ça? Ah, si, 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 c'est vrai que je fais plus de dégâts dans les buissons. Ok, lui on chope, lui. Oh non, 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 c'est pas possible. Bon, on va essayer d'hold up, hein. Je vais essayer de faire le fourbe aussi. Et là, le bull, il n'ose plus sortir, hein, parce qu'il y en a 8 au-dessus de la tête. Ok, il est low, hein, il est low, hein. Et qu'est-ce qu'il branle, lui? Il fait le tour de la main, frère. Bien joué, ça! Allez, on perd pas le fil, hein, focus. Moi je peux mourir là, ils ont 7 et 3. Je suis mort. Ah, c'est vrai que BA ça fait mal. Hein. Ok, le Karl, on le défend jusqu'à la muerte. Yes, 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 yes. Allez, très bien joué l'équipe. Allez, deux victoires classiques, hein. Un petit 2 victoires à une défaite, et comme ça on oublie. Putain, je suis déçu pour la première parce que putain, j'étais tellement chaud, j'avais fait tellement de kills. Tandis que là, j'étais moins chaud et pourtant on la gagne, tu vois. Un bisou, gros. Peut-être que la première, j'ai fait une erreur, c'est de pas avoir pris les joyaux sur moi. Sachant qu'on avait le monopole du... Mais attends, mes frères, mais par contre, tu te fais vraiment des pop assez rapidement hein, avec la poly. Elle, alors on fait toujours la même stratégie, tu sais. Merde. Attends, mais... Fais ça en boucle, ça rend fou. Ok, c'est bon ça. Allez, je défends les gars. Je suis le sniper. C'est vrai que j'ai mes gadgets aussi que je peux utiliser. Hein. Frère, tu fais quoi là? Pourquoi t'avances autant? Wouah, j'ai eu peur. J'ai eu peur, mais yes, aïe. Allez, hop, ça c'est fait les gars. On a 633, parfait. Voyons voir au niveau du classement. Il reste 3 jours. On peut atteindre les 800. On peut atteindre les 800, ça sera l'objectif, hein, je vous l'ai dit. Il y a déjà 1082 le premier. Et pas encore à 1000, hein, le premier français. Bah les petits potes, ce fut une très bonne session. Franchement, là, j'ai vraiment kiffé. Là, c'était du pur Brawl Stars. J'ai kiffé de ouf, nouveau perso Nani. Une dinguerie, les gars. Franchement, j'ai hâte de le tester au level pour voir un petit peu ce que ça vaut. Pour voir un petit peu les stratégies, etc. Et puis apprendre à maîtriser un peu plus la tête, le gadget qui peut être ultra fort pour surprendre l'ennemi, etc. Du coup, voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires, si vous l'avez packé, si vous avez la chance de l'avoir dans le magasin. Comment vous le trouvez? Une note de 1 à 10. Je vous fais des bisous, merci pour tout. À demain. Ah bah non, c'est vrai, on est vendredi, mais peut-être à demain ou peut-être à après-demain. Mais dans tous les cas, à lundi 20h, s'il n'y a pas de vidéo ce week-end. Les pouces en l'air, les abonnements, les commentaires. Brrr. Salut les petits potes.